Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi tout se passe bien, tranquille. Ah excusez-moi, j'ai mis les lunettes puisqu'en fait j'étais dehors et puis comme j'avais les yeux un peu qui commençaient à pleurer, parce qu'avec le soleil et tout, mes yeux ils commencent à pleurer et tout, bah, j'ai mis un peu les lunettes aujourd'hui. Mais tout, à part ça, tout se passe bien. Aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo un nouveau produit. Un produit, en fait, c'est les vidéos que je devais faire. J'ai tellement de vidéos à faire. Il faut souvent avoir le temps de faire la vidéo, les vidéos que je veux, de les faire. Il faut avoir le temps. Et j'ai des vidéos de conseils. J'ai des autres vidéos que je vous invite à regarder pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis aujourd'hui, le nouveau conseil, c'est le visage. Comme j'aime bien faire des vidéos comme ça, des vidéos de soins de visage. Et puis après, il y a d'autres vidéos qui vont commencer à s'enchaîner, que ce soit bon, au niveau jeu, je vais en faire aussi des vidéos de jeux, un peu des jeux un peu de tout, comme d'habitude, ce que je joue, ce que vous avez vu déjà comme jeu que je joue. Et puis d'autres vidéos que bon, je ne vais pas vous en parler plus. Bon, alors aujourd'hui, on va commencer cette vidéo, c'est juste une vidéo de soins de visage, qu'en fait, j'ai changé de produit, j'ai un nouveau produit qui est un peu plus performant et qui fait que ma peau elle est plus nette. Et il est bio, c'est un produit bio de bonne qualité. Et moi, je kiffe ce produit. Là, je vais vous le présenter tout de suite, le produit. Je ne vais pas y parler beaucoup. Je vais vous présenter le produit. Je vous coupe. Je vais vous présenter le produit. Mon produit, franchement, que je kiffe vraiment beaucoup. Ce produit, c'est un très bon produit de bonne qualité. Moi, j'aime bien. J'aime bien faire de temps en temps des vidéos comme ça, de produits, tout ça. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des vidéos comme ça, mais il faut que je vaille un peu, il faut que je fasse un peu des autres vidéos que je dois faire parce que après j'aime bien faire des vidéos comme ça quand même, j'aime bien faire des vidéos, présenter des produits, tout ça, j'aime bien faire ça. Mais bon, après il y a aussi des jeux, tout ça qui sont annoncés dans mes vidéos, dans mes prochaines vidéos, excusez-moi je bug un peu quand je parle. C'est la fatigue un peu. Excusez-moi si dans la vidéo vous voyez un peu, j'ai l'air un peu fatigué parce qu'aujourd'hui il y a eu du travail, il faisait chaud et tout. Et puis je suis un peu fatigué, je me suis levé tôt le matin. Bon, après sur le travail c'est normal. Le travail c'est normal qu'on soit fatigué après le travail. Et puis c'est pour ça que des fois j'ai envie de faire une vidéo, des fois, mais je me dis avec la fatigue et tout. Et après je me dis, bon, après si tout le temps que je suis fatigué je fais pas de vidéo, alors j'en fais plus de vidéos. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que je bois mon maté et que je fais une vidéo. Là j'ai bu du maté, mais là je n'ai pas bu en revenant du travail. Du coup, ben là je voulais faire une vidéo tranquille. Là, et comme, alors que vous voyez la vidéo, là je vais aller me reposer et puis ronfler un peu comme j'aime bien le faire. Et sur le coup aussi, une petite dédicace à mes amis, à Sylvain les deux Sylvain s'ils regardent la vidéo. Et Sylvain qui me fait rigoler et Ayette aussi. C'est une mamie qui... avec qui je travaille, qui me fait vraiment rire. Franchement, on rigole bien dans la cuisine où on travaille, etc. Ça se passe bien. Un coucou à tous ceux qui me reconnaissent dans la vidéo. Et puis, voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est très important de liker la vidéo parce que c'est important. Un petit like, ça fait toujours plaisir. J'aime bien les likes. Et bon, sur cette vidéo, d'ailleurs, on va attendre que s'il y a 10 likes rapidement, et ben, éventuellement, je ferai l'autre vidéo. Dès que j'aurai dépassé 10 likes ou voire 15 likes, un truc comme ça. Et puis voilà. Et voilà, que je parle tellement que voilà, je ne sais même plus où j'en étais, parce que c'est la fatigue du travail. Donc, je vais vous présenter le produit. Le produit que pour le soin du visage, j'aime bien faire des soins. Bon, c'est un nouveau soin de visage, mais celui-là, je vais le garder pendant longtemps parce que c'est de la bonne qualité et en plus, c'est du bio. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. On m'a envoyé un message, là, je sais pas ce qui m'a envoyé un message. J'aime bien. Quand je suis là en train de faire ma vidéo tranquille et tout, on m'appelle ou on m'envoie un message. Ok, voilà, c'est ça. Voilà, c'est une personne qui est en train de me dire, garde les lunettes de soleil dans la vidéo. Ok, je suis désolé, mais je veux pas garder les lunettes dans la vidéo. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de soleil. Parce que là, tout à l'heure, j'étais dehors. J'étais dehors, et bien, c'est normal que quand tu es dehors... puisque j'avais des yeux qui pleuraient tout seul et tout. J'ai des yeux un peu fragiles et tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai les lunettes de soleil. Bon, après, je les ai enlevées, mais après, je me suis dit, ah tiens, je vais les mettre un peu dans la vidéo pour montrer un peu, style. Hein. Style, hein, ça arrive.
Et puis on m'a envoyé un message, on m'a dit de laisser les lunettes de soleil, mais je vais pas laisser les lunettes de soleil dans ma vidéo, ça sert à rien. Là, je suis rentré, donc voilà, c'est. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Bon, on va laisser la personne qui m'appelle. C'est en train de m'appeler. Bon, je vais laisser parce que les nanas, ils aiment bien appeler quand je suis en train de. On dirait qu'ils savent que je fais une vidéo. Enfin bref, je vais laisser cette histoire. Bon, j'étais en train de vous dire, je vais vous présenter le produit, voilà, parce qu'on va bien y arriver un jour ou l'autre. Il faut qu'on y arrive quand même, parce que sinon, je vais jamais vous le présenter. Alors, pour commencer, je vais vous montrer le produit, en fait, qui fait de la vapeur au visage. Je sais pas comment ça s'appelle cette chose, hein. Moi, je sais pas. Hein. Mon pote me l'a vendu pas très cher. Et puis voilà, moi, je voulais l'acheter dans le site. Et puis du coup, comme lui, il voulait l'acheter à un autre, et puis il m'a vendu le sien, puis une petite qualité normale, tranquille. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de carton et tout. Et bon, il me l'a vendu, ben, il marche très bien, c'est ça qui fait la vapeur. Ça fait de la vapeur, regardez. En fait, ça se présente comme ça, en fait. Avec une petite pochette, enfin un petit morceau de plastique qui sert pour boucher, pour fermer les trucs. Et puis dedans, dans ce trou-là que vous voyez, voilà, ce trou-là, c'est là que ça sort ici, là, ça sort la vapeur, quoi. Et puis. Je voulais vous montrer aussi, parce qu'il faut bien que je vous montre par détail, c'est normal, c'est logique. Voilà, ici c'est là où on met l'eau en fait. Ici je mets l'eau ici dedans, dans ce tube-là. Regardez. Voilà, je ne sais pas si le flou il vient, voilà. L'eau on la met dedans dans ce tube-là, et après on rentre dedans l'eau, et après quand on allume ça fait de la vapeur comme vous allez voir en continuant la vidéo. Hop, il y a un peu d'eau. Et puis du coup, ben, une fois que j'ai mis l'eau dedans, et ben après je l'allume, il y a le petit bouton là qui est là, là, le petit bouton. Une fois que je l'allume avec le petit bouton, et ben après la vapeur sort, et puis après ça met tout le visage, en fait ça me ouvre les pores du visage, etc. et tout, et puis c'est nickel. Et après je transpire comme vous allez voir dans la suite de la vidéo. Et puis après je prends ces produits-là. Ça c'est la crème anti-âge bio. C'est une crème de bonne qualité, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est de bien vous le mettre avec le flou là, que vous puissiez voir. Je sais pas si vous voyez bien là, parce que là, le flou il veut pas venir, hein. C'est incroyable ça. Enfin bref, je vais pas vous montrer le carton. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. En fait c'est une crème anti-âge, voilà, tranquille, qui fait bio. C'est une bonne crème, hein, franchement de bonne qualité. Attendez, le flou il va venir, voilà, je me cache un peu, voilà. Je sais pas si vous voyez un peu ce qui a marqué, voilà, c'est vite fait, bon. Voilà, là vous voyez un peu, c'est marqué, voilà. Et voilà, après, cette crème, c'est la crème que je mets au début avant de mettre. Excusez-moi si ça a coupé, excusez-moi, franchement, excusez-moi, ça a coupé. Parce que j'étais en train de parler, ouais, de cette crème, ouais, c'est vraiment une crème de bonne, très bonne qualité, hein. Franchement, c'est, comme vous allez voir, hein, dans la vidéo là, pour finir, franchement c'est une crème de très bonne qualité, parce que je la mets toujours en fait cette crème souvent les matins, en fait je me à chaque fois que j'ai fini ma douche le matin, eh bien, je mets cette crème. Et puis l'huile je la mets tous les soirs pour dormir, parce que ça travaille bien le visage, etc. tout. Mais c'est vrai que cette crème, franchement c'est une crème de très très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Puis voilà, je vous laisse visionner la vidéo. N'hésitez pas à commenter ou liker. C'est très important, un petit like, qu'il y en a 15. Je pense qu'à 15 likes, je ferai la prochaine vidéo, ou même ouais, 15, on va dire 15 likes. Et puis voilà, je voulais vous montrer, voilà, cette histoire. Après, il y a le sérum que vous allez voir dans la suite de la vidéo, qui est aussi un bon sérum de bonne qualité. Bon, je vous laisse visionner la vidéo. Puis voilà la suite de la vidéo. Mais franchement, je suis content de mon produit, de mon nouveau produit, parce que c'est un produit de bonne qualité. Bon, je vous laisse la suite de la vidéo. Maintenant, nous allons mettre la vapeur, et ensuite, vous allez voir qu'est-ce que ça fait, comment l'effet. Vous allez voir que j'ai la transpiration, etc. Voilà, comme vous avez vu, en fait, voilà, comme vous avez vu, l'appareil, en fait, il envoie de la vapeur. Je ne sais pas si vous la voyez, la vapeur, là. Il y a beaucoup de vapeur. En fait, je la mets au visage comme ça. Parce qu'il faut le poser en fait sur la table. Et après, dès que je l'ai posé dans la table, je laisse que ça envoie de partout dans mon visage.
Et après, mon visage serait tout transpiré. Il y aurait de l'eau qui va couler de partout. Ça a ouvert tous les pores de mon visage et tout. Ça a un peu chauffé le visage. Ça va ouvrir les pores. Et après, en fait, après, dès que j'aurai fini ça, et bien, il faudrait que je compresse un peu mon visage sans essuyer comme ça le visage. Il faut que je compresse avec la serviette. Et une fois que j'ai compressé avec la serviette, et bien, je mets la crème. Et après la crème, je mets l'huile que vous avez vue, l'huile d'olive, en fait. Enfin, une huile spéciale pour le visage. Vous voyez, je fais ça. Mais là, je vous montre comme ça. Mais d'habitude, c'est pas comme ça que je fais. D'habitude, c'est comme ça que je fais. Je mets dans la table et après, je ferme comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vapeur. Et après, bon, c'est comme si ma peau, j'étais en train de transpirer. Et puis du coup, je le fais au moins 2-3 fois comme ça, puisque je remplis l'eau là-dedans, en fait, dans le petit morceau là où il y a le petit cube d'eau. Je remplis de l'eau dedans. Et une fois que j'ai rempli l'eau dedans, je fais ça au moins 2-3 fois. Comme là, vous avez vu, là, je l'ai fait. Mais de toute façon, tout à l'heure, je l'ai déjà fait une fois. Là, je vous le fais, mais je vous montre comme ça. Je dois faire de partout, mais là je fais comme ça pour que vous voyez bien que la vapeur elle vient dans mon visage. Mais en fait ça, je mets la serviette, je ferme tout et je reste devant la télé comme ça pendant un petit moment. Voilà, là j'ai assez fait. Ça brûle un peu quand j'approche beaucoup là. Ça détend en fait, c'est très très bien, ça détend beaucoup. Voilà, après dès que c'est fini, on voit, il n'y a plus de vapeur qui vient. Et après, dès que j'ai fini, je compresse un peu mon visage. Je compresse tout simplement comme ça. Il ne faut pas essuyer, il faut juste compresser. Voilà, et après, une fois que j'ai bien compressé mon visage, que mon visage est bien compressé, je mets ce produit-là que je vous ai montré tout à l'heure, anti-âge. C'est une crème en fait qu'il faut mettre. En fait, je mets cette crème là. Là, j'en mets un peu, mais puisque je me vois pas trop. D'habitude, je suis dans la glace tranquille en train de me mettre. Là c'est juste pour que vous voyez un peu, mais en fait, j'en mets à peu près comme ça. Un peu dans tout mon visage. Là, c'est juste pour vous montrer, hein, mais d'habitude, je suis face à ma glace, tranquille, en train de me regarder dans le miroir et faire bien correctement. Voilà, et après, une fois que j'ai bien mis la crème sur le visage, tout simplement, eh ben, je prends le sérum, en fait. J'appuie dessus, je le compresse pour que dedans, il y en a beaucoup. Et après, je l'ouvre, en fait. Regardez, c'est comme ça, il y en a beaucoup dedans. Ça goûte pas, en fait. Hein. Ça goûte pas, ça reste comme ça, il y en a beaucoup. Je fais comme ça, vous voyez bien qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, et ça revient comme ça. Et après, une fois que j'ai fait ça, moi, je fais comme ça. Je le mets, je le mets dans mon visage, hein, comme ça, et tout ça. Mais là, comme je ne me vois pas, là, je vais mettre un peu dans les mains. Je fais comme ça. Bon, après, je me suis bien lavé les mains avant de faire mon produit, parce que sinon, ça ferait des microbes. Voilà. En fait, que je mets tout ce qu'il y a là, je le mets dans le visage et c'est terminé. Et même que ça goûte, qu'il y en a beaucoup, là, je suis obligé de mettre, en fait. C'est au moins toute la nuit, je reste comme ça.
et mon visage va briller. Voilà, j'ai tout mis. Voilà, là j'ai mis tout mon produit, comme ça je suis tranquille. Regardez, il n'y a plus rien. Bon, il y a une petite goutte là. Voilà. Regardez, il n'y a plus rien maintenant. Là, il est quasiment vide. Le sérum est vide. Il n'y a plus rien. Voilà. Là, j'ai tout mis. Et j'ai plus rien dans la main. J'ai plus rien. Là, ça brille, c'est normal. Il faut mettre tout ce qu'il y a dans le sérum. Et une fois que j'ai mis ça comme ça, je laisse toute la nuit comme ça et je dors comme ça en fait. Et le lendemain, quand je me réveille, je me lave normalement pour enlever le produit normalement. Et puis après, j'ai juste à mettre ma petite crème anti-âge. Et puis, je mets en fait, quand je me suis lavé et que j'ai tout nettoyé le matin, et ben, je mets juste ma petite crème anti-âge. Et puis, c'est tout. C'est tout. Le matin, je ne remets pas l'huile, je la mets juste avant de dormir. Mais sinon, le matin, je la mets pas. Quand je sors dehors, etc., je mets pas l'huile. Je mets juste un peu de la crème anti-âge, c'est normal. Là, vous avez vu, mon visage, il brille tout, comme ça. Et là, c'est parce que je veux rester à la maison, je bouge plus. Et je dors, et puis le lendemain, je refais la même chose, je mets le soir. Le soir, je mets l'huile, le matin, que je mets que la crème. Et puis voilà. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et commentez si vous en voulez une autre, une prochaine vidéo comme ça. J'en ferai une autre comme ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Dans pas très longtemps, je ferai une vidéo. Une autre vidéo. Bon, je vous dis pas ce que je veux faire, mais je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et commentez évidemment si c'est possible. Vous avez vu, mon visage est tout plein d'huile, c'est normal. Là, ça va rester comme ça. Le lendemain, j'enlèverai tout. La crème, et ce sera un visage tout doux, tout classe. Bon, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin en vous. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Demain, il y aura peut-être une vidéo. Je vais parler d'une chose qui s'est passée dans Lyon, en fait, il n'y a pas longtemps. Vendredi dernier, il s'est passé quelque chose. Je vais parler un peu du sujet, l'actualité du moment, en fait, qui s'est passé à Lyon. Bon, sinon, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Salut!